Allez, c'est parti. Et hey, bonsoir tout le monde. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vous fais une petite game sur LOL. Un petit peu d'arabe, vous m'avez demandé très souvent de jouer un petit peu à LOL. Je jouais beaucoup à LOL avant. Je jouais vraiment beaucoup, c'était un de mes jeux préférés. Bon, c'était même mon jeu préféré pendant très longtemps. Et j'ai complètement arrêté avec Hearthstone. J'ai repris de temps en temps comme ça. Bon, je pue la merde hein, maintenant, je suis devenu très nul. Hein. Vous êtes probablement bien meilleur que moi. Mais c'est rigolo, c'est un bon jeu. J'ai streamé un petit peu du Overwatch aussi tout à l'heure. Il y avait pas mal de monde, c'est assez sympathique. Mais là, on va se focus à partir de demain sur Hearthstone et sur l'extension Un'Goro. Donc là, je voulais un petit peu me changer les idées et me préparer mentalement pour cette extension et pour cette absence de vie hein, qu'on va avoir dès que l'extension va sortir. En plus de ça, il y a la Gamers Assembly la Gamers Assembly du coup à Poitiers, le gros tournoi au courant du mois, courant mois là d'avril. On aura à peine une semaine pour se préparer et pour préparer les decklists et pour s'entraîner pour le tournoi. Donc il va vraiment falloir être à fond. Juste de League of Legends parce que c'est vraiment vachement fort. Voilà, je baisse un petit peu. Rumble! Très bien. Ah, en Switch Rumble. Est-ce qu'on Switch Rumble? Ouais, vas-y, donne-moi un meilleur truc. Oh, Caitlyn! C'est... Super, super, c'est le meilleur perso évidemment, hein, Caitlyn, elle est trop belle maintenant. Oh, elle est devenue trop sexy. Ouais, c'est ça, ouais, tu rêves. Tu rêves, tu rêves. C'est un jeu très sympathique, LOL, hein, si vous jouez pas, bon, vous jouez très probablement, ou alors vous y avez déjà joué. On fait juste une petite aram ici, comme ça, en mode un petit peu fun, en attendant demain. Je voulais faire une vidéo sur Overwatch, je voulais en fait passer platine sur Overwatch aujourd'hui. On était 2480, un truc comme ça, et en fait, quand j'ai lancé le record, mon PC a crash, ça bouffait trop de ressources pour mon PC. Donc du coup, j'ai pas pu. Donc je me suis fait, bon, bah, pourquoi pas une petite vidéo sur... les runes. C'est quoi ça? Oh, c'est bien ça. Non, non, ça c'est plus sur Riven, etc. Bon, ça c'est excellent ça, Chuck Norris. Je connais pas les runes, moi c'est les runes des anciennes saisons, hein. Ça fait très longtemps. On va enlever ça, on va mettre le heal. Je crois que c'est heal maintenant que ça joue, c'est pas barrière. Je crois que c'est du heal. Ça me fait bizarre parce que j'ai l'habitude de jouer en ZQSD et là je dois rejouer en AZER. C'est toujours très très étrange. Bon, est-ce que le jeu se lance automatiquement ici? Ça change pas automatiquement. Du coup, il faut que je fasse ça. Hop. Voilà. Normalement, c'est bon là. Le jeu devrait apparaître. Ah, voilà, superbe. Superbe, superbe. J'ai le cadre en gold, je suis très déçu. J'ai pas joué du tout à la saison d'avant. La saison d'avant encore, j'étais remonté, je crois. J'avais repris le jeu, j'étais remonté genre diamant 5, je crois. Et puis après, j'avais perdu masse. En fait, par inactivité, en fait, vu que bah forcément, tu sais, quand t'es focus sur Hearthstone, sur un autre jeu, tu peux pas jouer tout le temps à tous les jeux. Donc, j'avais reperdu masse pour inactivité. Ah oui, j'avais fait les games de placement, j'avais pas fait un score de ouf, je me rappelle plus combien, mais je suis tombé platine 3 ou un truc comme ça. Et puis après, par inactivité, j'ai perdu un petit peu de rang. Bref, on s'en fout hein, de toute façon. Ce qui est important, c'est qu'à partir de demain, Un'Goro sort et j'ai vraiment hâte. Je crois que même ce soir, ça sort sur serveur NA. Et du coup, peut-être ce soir, une deuxième vidéo avec une ouverture de booster avec les decks et des premiers decks sur Un'Goro. Peut-être si ça sort, je sais pas à quelle heure ça sort en fait. J'avais peur que ça sorte après minuit ou quoi, tu vois. Si ça sort tard ou quoi, c'est la merde. Mais si ça sort assez tôt sur NA, peut-être on achètera déjà quelques petits boosters sur NA. Et évidemment, demain soir exceptionnel sur Gamers Origin. Demain soir, vendredi soir, hein, si vous passez, ça peut être très très cool. Il y aura pas mal de monde. Il y aura tout Gamers Origin hein, qui sera là, plus des invités, et on fera une grosse soirée avec des show match, avec les nouvelles decklists les premières decklists qu'on va essayer, des decklists fun, des decklists plus tryhard. Ça va être assez cool. Du coup, d'ici à demain, bah, au lieu de vous faire une vidéo sur la méta actuelle avec des shamans et des warriors, etc., je sais que ça saoule tout le monde. Il n'y a pas vraiment de deck de ouf, et puis même créer un deck là alors que demain ça va tout va changer, c'est un petit peu nul. Donc c'était ça me paraissait être une idée nulle, hein. C'était nul. Du coup, bah, pourquoi pas une petite game sur LOL, c'est toujours un petit peu plus fun hein, de jouer à d'autres jeux. Et si ça vous plaît, bah, vous me dites hein, dans les commentaires, peut-être qu'on fera un petit peu plus, peut-être même des ranked sur LOL ou des games un petit peu plus fun, des games viewers ou des trucs comme ça. Si vous jouez à LOL, vous lâchez votre pseudo ou quoi, ça peut être assez fun. Moi je joue un peu plus à Overwatch en ce moment, mais c'est des périodes. Des fois je joue un peu plus à LOL, des fois toujours en side de Hearthstone. Ce qui est bien avec Hearthstone, c'est que Hearthstone est un side game, donc du coup c'est un jeu que tu joues souvent en jouant à autre chose. C'est ça qui est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on fait ici? Prenons ça et ça, et ça, prenons même ça. Prenons tout. Je vais prendre des items conseillés hein, parce que bah, je connais pas trop. La méta a pas mal changé. Est-ce qu'on a le son du jeu? Attendez, je vais vite fait juste aller mettre le son du jeu. Je sais pas, il a l'air très faible. Il a l'air très faible comme le son du jeu. Ou alors c'est peut-être moi qui l'entends mal. Ah ok, si j'augmente comme ça, c'est mieux. Je sais pas si vous l'entendrez bien ou pas. Je sais pas du tout. Bon, bah, ce soit un essai, de toute façon, c'est juste le son du jeu, hein, on s'en fout. Ah mince, attendez. Ok. Superbe. Hop.
Hop, hop. Ah, ils sont déjà en train de se faire défoncer. Ouais. Très bien. Très bien, très bien. Bon. Bon, bon, bon. On va essayer de vous proposer un petit peu de bons jeux, de beaux jeux hein, aujourd'hui. Attendez, je vais faire ça. Je vais couper le stream là, histoire d'être sûr de pas laguer. Voilà, je regarde toujours un petit stream hein, en parallèle sur Hearthstone ou quoi. C'est ça qui est vraiment cool sur... Oula, 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 mais qu'est-ce que tu me fais mon gars? Mais non, voyons. Voyons là, les bonobos. Attends, jouons bien quand même, merde. On est en arabe là, c'est de la compétition l'arabe hein, avant tout. Je sais que le joueur moyen pense que c'est de la merde, mais en réalité, il y a beaucoup de compétitions sur l'arabe. Il y a même les championnats du monde. Moi, j'ai été qualifié pour les championnats du monde d'arabe qui ont lieu aux Bahamas hein, l'année prochaine. Parce que j'étais un très grand joueur de d'Aram. Même si beaucoup de gens pensent que c'est un mode fun et pas très cool. En réalité, c'est très très, très très marrant. Surtout quand vous êtes nul en fait. Quand vous êtes nul, l'Aram c'est vraiment un truc pour. Quand vous êtes un peu nul, tu vois que vous puez un petit peu la merde. Comme moi. Que vous avez rempli le jeu, que vous n'avez pas joué depuis longtemps, vous faites une petite Aram. Ça coûte rien, tu vois. C'est un peu plus facile, on va dire. Que de faire du. Que de faire du ladder. Ce qui est bien avec Caitlyn, c'est qu'elle a une portée de malade. Je dis ça pile au moment où je me fais défoncer. Ce qui est pas particulièrement cool. Hop. J'aimerais bien mettre un trap. À 3 minutes 10, il y a le truc qui pop. Normalement, ça va pas changer. J'aimerais bien mettre un trap là. Voilà, comme ça. Hop. On est à portée. En même temps, on creep un petit peu. Je suis loin. Yes. Superbe. Parfait. Évidemment. Non mais. Eh hey, tu peux pas toucher là. Je pense que si je m'escape comme ça, elle est dans la merde. Nice, superbe. Je me suis dit que je pouvais mourir, mais d'un côté, je joue Caitlyn. Ah merde! Je l'avais pas vu! Superbe. D'un côté, si je joue Caitlyn. D'un côté, si je joue Caitlyn, j'ai un petit peu de régénération. Donc, du coup, je peux facilement voilà, rester en vie et me régénérer très très facilement en jouant comme un professionnel. Donc, ça, il y a 10% de lifesteal sur ça. Ça, c'est un nouvel item. Il n'y avait pas ça avant, cette épée de Doran. Je vais attendre un petit peu pour avoir mes bottes niveau 2. J'aime beaucoup avoir mes bottes niveau 2 avec Caitlyn en début de partie parce que ça permet de mieux hit and run. Même si là, le niveau est catastrophique. AD Carry, c'est pas forcément le poste le plus facile à jouer. Quand t'as pas joué depuis très longtemps, depuis un an, c'est pas forcément le plus simple. J'arrive déjà à trouver mes flashs et mes touches, c'est déjà excellent. Non mais il est mort là. Il écrit bloc. Il écrit bloc. Encore. Oui, continue. Oh putain, parce que ça joue bien. Moi je pourrais faire. Si un jour je perce pas sur LoL, même si je vois, c'est peu probable hein, parce que. Parce que notre niveau de jeu est exceptionnel. Si un jour je perce pas sur LoL, je ferai pom-pom girl de LoL. Parce que moi je trouve ça vachement vachement injuste en fait que tous les jeux, enfin que tous les sports de haut niveau. Le KS, raté. Non mais oh. C'est vachement fumé ça. Je vais attendre qu'il soit hors de position, qu'il soit un peu loin du Malphite avant de. Avant de claquer un ulti, parce que le Malphite il va le tanker avec son passif. C'est sûr. Ils ont pas encore leur ulti. Merde, j'ai pas la mana. Faisons ça. En fait, la Aviana là, comment ça s'appelle? Anivia. La Anivia me fait pas mal chier avec son positionnement me fait pas mal m'embête vraiment beaucoup. Ça poke directement. Oh là 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 là, le monstre, le stromon putain, on le dit. C'est le double kill qui part, quasiment triple kill. J'aimerais bien claquer mon ulti, genre comme ça, hop, poke un petit peu. Parce que l'ulti peut servir juste à poke hein, avec mon perso, on s'en fout. Même si là je suis parti sur les bots donc j'aurais pas beaucoup de dégâts avec mon ulti malheureusement. Si je lui mets un coup au Gragas, il va sûrement m'ulti. Donc faut que je fasse gaffe à ça. Et du coup je serai sur les dégâts de la tour. En fait je peux pas vraiment facilement lui. Pas forcément facilement lui tenir, mais on va gagner des dégâts sur la tour. Paraît être une bonne idée.
Ça, c'est pas bon pour nous. Très bien. Très bien, très bien. Pas l'homme le plus réactif du monde, hein. J'ai pas été ouf. En général, pour prendre le heal, faut bait. Je fais semblant d'aller le prendre, après tu le prends pas. Ils claquent leur skill shot et puis après tu vas le prendre. Je donne quelques astuces, hein, comme ça, on est comme ça nous, hein, vous savez. On n'hésite pas à donner les astuces, hein, évidemment, de professionnels. Faut juste faire gaffe à l'ulti de Malphite parce que plus la partie avance, plus je pense en plus il va partir AP. Ah non, il est parti tank. C'est une bonne nouvelle pour nous, ça. Parce qu'on a paix, on aurait douillé de ouf. On va la slow elle. Ah c'est vrai que j'avais oublié que maintenant il y a ça. Maintenant quand tu touches avec un... avec un sort, tu peux directement... il est bloqué, nice putain. On continue. Ah! Ah! Oui, oui, yes! Ah! Ah! Yes! Putain j'ai bien joué là. Non j'ai pas tué, c'était de la merde. Mais ça allait, ça allait. Ça allait évidemment. C'était pas mal, c'était pas mal. C'était pas mal. Là, je voulais, en fait, je voulais acheter vraiment, je voulais acheter du stuff là tout de suite. Je me suis dit, j'ai pesé le pour et le contre. Qu'est-ce qu'on prend? J'ai envie de prendre d'abord de l'AD. Après, ça a l'air d'être devenu vachement fumé. Le c'est ruinant, c'est ça? Ouais, c'est ruinant. Avant, c'était pas trop joué cette merde. On va prendre les deux. On va faire d'abord le celui de gauche. On va. Je pense on va faire les stuff qu'on sait parce qu'ils ont l'air pas mal. Runant ça commode quand même pas mal avec épée d'infini là, Infinite Edge, ça s'appelle. Ça commode quand même bien avec. Nous on a Mundo, est-ce qu'ils ont quoi deny les heals? Oh! Faut que j'aille peut-être les trappes. C'est devenu vachement fort les trappes, maintenant tu peux en mettre beaucoup. C'est quoi ça? Ah c'est la lame de L. Ah ça a été changé ça. C'est pas comme ça avant. Ça c'est devenu vachement bien là, j'ai trop envie de plus y jouer. C'est la potion qui part directement. Le hit and run, merde. Non mais c'est elle, elle a trop mal joué aussi, en plus j'ai lagué. Bon, ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va pouvoir acheter ça, et même acheter un deuxième comme ça. On va faire le runant d'abord, on va finir les items pour avoir les... pour avoir directement leurs effets. Puis ensuite on va partir sur... la lame. Comment ça s'appelle en français? Je joue en français maintenant. Infinite Edge. Ah non, j'ai levé en anglais. Je joue en anglais. C'est bien en anglais aussi. Je l'ai pas changé depuis l'époque, depuis pas longtemps, j'ai jamais changé. Je l'avais en anglais avant, mais ça peut être utile de l'avoir en français un peu. Je crois que les voix sont moins bien en français. Je sais pas si elles ont été changées, mais c'est vrai que c'est plus classe quand il dit Pentakill que quand il dit Quand tu plais. Allez, on DPS, on DPS, on DPS. On se casse, on se casse. Ah bah, Rick Mundo. Je vais me mettre là. Et peut-être que je vais pouvoir... J'ai été stun malheureusement. J'ai été un peu stun. On va suivre un peu l'action. Bon, on est en train de se faire ouvrir là. On est en train de se faire littéralement ouvrir. J'ai fait une petite game juste avant celle-là pour vérifier que je laguais pas. J'ai eu Orianna en Aram. Et ça s'est passé, ça s'est super bien passé. Putain, j'ai fait des kills de mal, j'ai fait des ultis les gars. Je vous raconte pas, je vous raconte pas. Des fois il y avait des twitch invisibles, des trucs comme ça, je fais des ultis ou des pentakills. Je crois que j'ai fait 4 pentakills et un hexakill je crois à un moment donné. Parce qu'il y avait un mec, il avait hip hop, il était revenu. Non, il avait été ressuscité. Est-ce qu'il y a un personnage qui est ressuscité dans l'autre? Je crois pas. Mais c'était bien, j'avais bien joué je trouve. T'es mort toi. Mauvaise réaction du coup. Ça la cite bien. Ok, ok. Bon, assez rigolé. De toute façon, je joue à Dekai, donc plus la game dure, plus je vais être surpuissant. Oh, tu m'auras pas comme ça, toi, voyons. Voyons, voyons. Ah non, 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 non. Ah, mais non, beaucoup trop de dégâts. Tiens, bien fait là, putain, j'ai tout prévu.
J'ai bien bait, je trouve. Non, dégage! Putain, mais qu'est-ce qu'il est con, lui! On lui en veut pas, évidemment. La déficience mentale hein, sur League of Legends, c'est. C'est quelque chose de connu. C'est vrai que nous, on joue à Hearthstone, on est un peu des intellectuels un petit peu du jeu vidéo. Ah, on peut le dire au final. Les gens qui jouent à des jeux de brut comme ça, bah c'est vrai que des fois ils sont un peu plus cons. Hein, voilà. Le mec il est full life, full mana. Il y a quelqu'un à côté de lui qui a un HP. Et il se dit, bah ça me paraît, ce serait une bonne idée de prendre le petit heal. J'aime bien les croix comme la pharmacie, les drogues, j'adore. Mais c'est normal, c'est normal. Sinon il jouerait Hearthstone s'il est intelligent, on le saurait. On le saurait évidemment. Ah non 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 non, oh putain non, ah ça fait mal ça, oh, ça fait mal de ouf. Non non non, ah ah ah. Comment ils ont claqué d'ulti là? Concrètement. Au moins 6. Ah non c'est du 5v5 Hearthstone, lol. Bon au moins 5. En tout cas j'avance bien sur mes items. Hop après j'ai ça. Et y'a quoi en face? On va regarder un petit peu. La Warmog est déjà équipée hein, du côté du Mundo, évidemment un max d'HP avec le visage spirituel qui lui permet d'augmenter sa régénération par seconde. On a également un Malkezar. Malkezar qui a déjà son... comment s'appelle ça? Ça s'est trop opé ça. Road of Age, son ROA. Ça on s'en fout le blanc, on s'en fout les couilles. Jax c'est stylé Jax. Jax en fin de partie c'est stylé de ouf. Et en face, lui il est parti full HP. Donne-moi la range. Le titre Caitlyn devrait avoir plus de range. Hein. Moi je milite pour ça. Hein, parce que c'est censé être un sniper et elle devrait avoir beaucoup plus de range. Non mais oh. Oh le la putain, le talent! Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai bien fait. C'est le heal qui part. C'est le heal qui part directement. On sauve notre allié. Hop, le hit and run. Le hit and run, on continue. Hop, en slow, dans le sens inverse. Bim, 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 bim. Ah! Yes! Putain! La vache. Il s'est suicidé pour la bonne cause, le Malkezar. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Malzar! Malkezar, c'est dans Hearthstone, putain! En même temps, je trouve que LOL, ils ont beaucoup plagié Hearthstone au niveau des noms des personnages. Hein, vous pouvez confirmer, hein, je pense que. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux le manque d'imagination de League of Legends. Je taille beaucoup League of Legends, mais c'était mon jeu préféré pendant très longtemps. C'est encore mon jeu préféré, je pense. Ah, avec Overwatch, je sais pas. C'est le jeu que. On va dire que. Hearthstone, je joue pour plus. Bah, je joue pas mal pour m'amuser aussi, surtout en stream, mais hors stream, je joue surtout pour le côté compétition, tu vois. Se faire de l'argent facilement, même en étant nul. Ça, c'est bien ça. LOL c'est un jeu où t'es obligé d'être fort. Mais du coup ça reste quand même le jeu, on va dire que si j'ai envie de me taper quelques barres, que j'aime jouer, surtout que tu peux jouer entre potes, surtout que alors que sur Hearthstone tu peux pas. Et ça je pense que c'est une grosse ça fait une grosse différence quoi. J'essaie de mettre le maximum de dégâts possible en attendant le Jax, il a bien roulé son front sur le clavier, je trouve que je suis fier de lui. Il a voilà un petit roulage de front. Ça serait bien de prendre la tour, comme ça je peux acheter. Rends l'argent! Ça serait bien de prendre la tour, vraiment. Cool. Please. Alors prenez-la. Non mais voyons. Non mais qu'est-ce que tu me fais là? T'es en train de prendre des dégâts. J'ai dit prendre la tour, pas des dégâts. Est-ce que si je vends ça? Ça se vend combien ça? 60. Ah putain, c'est terrible. Prenez la tour, les gars. Si on prend la tour, franchement, je peux attendre quelques secondes. J'aurai mon truc. Je sais pas pourquoi j'ai maxé ça. J'aurais pas dû maxer ça. Avant, on maxait ça parce que les trappes, on pouvait en avoir 3 maximum. Mais maintenant, je crois que les trappes, tu peux en avoir autant que tu veux. Non pas autant que tu veux, mais tu peux en avoir genre 5. Donc ça peut être bien de le maximiser un petit peu. Ah. Ah ah ah. Bon c'est pas grave, on ira chercher l'IE plus tard. Putain de vache. Je joue trop bien, je trouve. C'est notre team pro LOL qui vont être fiers de moi. Non mais oh. Gros. Yes! Oh là là, mais t'as pu. What? Il m'a mis 1 milliard de dégâts, dégage! Toi t'es décédé dans tous les cas là, qu'est-ce que tu veux prendre de hit, dégage! Attends, voilà. Cassos! Ah! Je me casse, c'est bon, tranquille. Non, 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 ça va bien se passer! Ça aurait pu bien se passer si j'avais un cerveau. Bon,
Ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va aller, ça va aller. Bon, en tout cas, je voulais faire cette vidéo un petit peu pour... Pour bah, passer un petit peu le temps, hein, au final, en attendant cette petite extension d'Hearthstone. Je trouve ça assez rigolo, hein, de faire quelques parties d'autres jeux de temps en temps. Surtout, voilà, comme on a dit, League, c'est un... pardon, Hearthstone, c'est un side game, hein, c'est un jeu, souvent, on joue à autre chose. Il y avait l'item qui donnait de l'armure, avant qu'il pénétration d'armure, c'était quoi? C'était un arc. C'était un arc, je crois qu'on le fait avec ça. Non? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, ça, c'est bien, ça. Putain, ça c'est la folie, ça. Ça c'est ouf, ça. Ça a l'air cool. Vas-y, go. Vas-y, go, go, go. Vas-y, go, 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 go. Elle a team, là. Elle est bro. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, non, mais prends pas les nibs, prends pas les nibs. Moi vivant! Superbe, super, super. Toi, t'es mort, toi. Non, non, Grago, Grago, Grago! Il est relou. Il est relou, c'est bon, c'est dit. Ça... Oh, bah, je vois qu'il y en a qui puent pas la merde à moitié, hein. Bon, très bien. Très bien, très bien. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Oh là 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 là, regardez, regardez le gameplay, regardez le gameplay. Là, je vais faire un truc, là, je vais faire un plaise. De temps en temps, quand vous jouez à un jeu comme ça, vous avez. Oh! Vous avez envie de faire un plaise. Tu vois, genre, tu te sens fort. Position de siège, bim, on pose les trappes directement. On DPS le Grago. Ah non! What the fuck, les dégâts du truc! Putain. Ils sont vraiment devenus forts, les obèses, hein. Oh là 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 là. La Katarina qui roule son... Putain, Katarina quoi. C'est beau une Katarina qui joue bien. C'est beau. Une Katarina qui joue bien, c'est stylé. Tu peux avoir la classe. Tu peux pas avoir la classe en jouant bien avec Caitlyn. C'est pas super stylé. Kalista c'est classe. Kalista c'est classe de ouf. Caitlyn c'est ça, ça. Tu peux bien jouer. Tu peux faire des trucs de ouf, mais t'as pas... C'est pas méga classe quoi. Ah par contre, un cosplay Katarina, ça c'est la folie ça. Non mais gros. Non mais respecte-moi bordel. Allez là-dedans. Quoi? Non mais sérieux là, remboursez-moi merde. Non j'en ai marre de ouf là. Allez go 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 go. Un petit peu de movement speed là. Je sens que c'est notre fight ça. Bim là, le petit poke. Bah, par contre moi je vais pas plus loin, hein. C'est super relou, je vais me régénérer un petit peu là-dessus. J'ai pas beaucoup de régène. J'ai un petit peu de lifestyle sur mes runes. Mais c'est à peu près tout quoi. Allez bim, la position de siège là, putain, ça passe pas. Moi je vous le dis moi. Il est midlife. Petit coup à la tour. Bah, le truc c'est que tu peux les enlever mais tu prends juste des dégâts et au final je peux les remettre. Ah non 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 non. Bon, je sais pas si je peux faire beaucoup plus de dégâts que ça. C'est super relou ça. Laisse-moi passer. Ça aussi c'est relou. Ah. Bon. On a pas été brillant là. C'était quoi? C'était celui-là ou c'était l'autre? Celui-là fait quoi celui-là? 15% hein, 45% à mort bonus pénétrage, c'est bon. Et ça fait quoi ça? Physical damage inflict Grievous hein, on enemy champion for 5 secondes. C'est quoi Grievous Winds? Ouh ça a l'air ouf ça. Ça réduit le heal. Est-ce qu'ils ont des personnages qui heal? Ça heal pas mal. Ça heal pas, ça spell vamp pas. Ouais il a pas vraiment de life steal. Et ça se heal pas vraiment. Ça se heal un petit peu overtime mais c'est pas ouf. Il y a juste lui qui se heal un peu. C'est pas ouf. Je pense que c'est l'autre. En attendant ma team. Bon vas-y fuck it. Ma team est en train de se faire défoncer là, on va perdre la partie. On défend pas à moitié quoi. Bon allez, on a les 5 traps. Non mais gros, tu vois bien que t'es relou là. Tu vois que t'es chiant ou pas là? Il a quoi comme staff lui? Oh il a la triforce, c'est bon. C'est bon les gars. C'est bon, il faut juste. Faut pas rester paquet parce que l'ulti de Malphite il va nous faire vraiment mal les gars. Non mais gros, pas toujours sur moi là putain. Tu vois bien que tu me fais chier. Ok. Ça c'est la game ça. Ça c'est la game, moi je vous le dis moi. Dégage, 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 dégage. Putain d'handicapé mental.
ça joue bien. Ça joue bien. C'est les plays là, les gars. C'est les plays. Bon. Je suis tellement genre dégoûté par, par ce niveau de jeu abominable que je vous propose. Enfin, c'est terrible. Moi, des fois, je regarde des streams de joueurs, tu sais, de joueurs de d'autres jeux, tu vois. Et sur LoL, c'est vachement frustrant parce que tu sais, tu les vois facilement les erreurs. Tu vois le mec, tu vois l'élastique et tu te dis, putain, moi, si c'est moi qui contrôlais la souris, là, j'aurais élastique, tu vois. Et là, le mec, il élastique pas, c'est super relou. Ça régène, ça régène, ça régène. Merde, putain. Il m'a pas heal, ce bâtard. Il pouvait pas me heal, mais ça aurait été cool qu'il me heal. J'aimerais bien prendre ça plutôt, mais genre. J'ai acheté ça. Est-ce que ça sert à autre chose? Ça sert pas à grand chose d'autre. Bon, c'est pas grave, on va le vendre. C'est pas très grave. On perd quelques stuff, mais de toute façon, là, on est bientôt full stuff. Donc, ça changera pas grand chose. Ça, ça m'a l'air cool, ça. Ça m'a l'air d'être un bon item. Je regarde vite fait les items, hein, évidemment. Je suis pas venu comme ça en mode. Je regarde vite fait ce qui a changé. Il y a deux nouveaux persos qui sont sortis d'ailleurs sur LoL. C'est une meuf et un mec. Alors, moi, ça me fait pas mal rire parce que bah, c'est assez mignon hein, si tu joues avec ta copine les deux nouveaux persos. Donc, c'est un AD carry et un pas AD carry. Fini la game! Jax! Jax! Le monstre! Non! Putain, il s'est fait défoncer. Bon, il a claqué son ulti lui au moins. C'est assez mignon si tu le joues avec ta copine. Genre, en gros, c'est un mec et une meuf et ils s'embrassent et tout. C'est assez rigolo. C'est un carry AD, un support. Mais je trouvais ça un peu. Un peu moins bien si tu le joues avec un pote, tu vois. Genre ouais voilà, genre tu sais, enfin c'est pas super stylé quoi si tu le joues avec ton pote. Hey Bertrand, viens, j'ai mon ulti, tu vois, c'est pas ouf, tu es obligé de l'embrasser et tout. Enfin ça m'a pas l'air extrêmement attirant comme nouveau champion, je sais pas si je l'achèterais. Ouais, j'achèterais si j'ai des trucs en rab, mais je claque un trap ici parce que j'en ai 4 qui sont ready, mais allez là, putain, les jukes! C'est vrai que quand tu fais un truc de merde et que tu te sens trop fort, tu vois. C'est ça aussi qui est bien sur LoL. Ça se casse. Je me suis plus concentré à mettre des traps que à faire mon boulot d'AD carry, mais il faut vraiment que je me place mieux derrière. Parce qu'au final, ils ont Katarina qui peut me jump dessus, ils ont lui qui peut me jump dessus, ils ont lui qui peut me jump dessus. Ce qui fait vraiment beaucoup au final. Ce qui fait quand même vraiment beaucoup. Lui, normalement, il devrait pouvoir les tuer tous les deux. Normalement. Le bon pote. Ouais, salut. Non, 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 non. Ah, voyons, Jax. Moi, on m'a dit, Jax, quand tu roules ton fond sur le clavier, tu gagnes la partie. C'est de la merde maintenant, non, ça sert plus à rien. Vas-y, go, on va switch. Non, c'est ça que je veux voir. Hop. Ça m'a l'air meilleur. Je sais pas lequel est le mieux. L'autre, je crois, ça augmente ta range. Il me semble l'autre, ça augmente ta range sur le premier coup. Et celui-là, il met un éclair. Mais Caitlyn a déjà une range de ouf. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie d'augmenter ma range? Bah, on s'en bat les couilles, hein, concrètement. Bon, on s'en fout. Hein. C'était un gameplay intéressant. Voilà, elle a tenté un truc, elle était là en mode ouais, bah moi j'aime bien tenter des trucs. Salut, je m'appelle Bertrand. Qu'est-ce que j'ai contre Bertrand aujourd'hui? Putain, mais elle est où ma team là? Nice, j'ai tout prévu. Ah, très bien. Donc mon écran aussi bug de temps en temps, il s'éteint, j'ai un écran noir. Ce qui est pas super pratique tout le temps. J'aimerais bien charger mon headshot. Je suis un peu trop avancé. Il est où le Mundo? Attendez le Mundo, les gars. Attendez, le Mundo, il est derrière. J'ai mon headshot. J'ai mon headshot, les gars, c'est annoncé. Oh mon dieu. Ok, la claque est wall, la claque est wall. On y va, on y va, on y va. Aviana là, Anivia, ça me rappelle pas mal Maid dans Overwatch. C'est pas ouf ce qui vient de se passer, c'est. C'est pas incroyable ce qui vient de se passer, les gars. Il devrait être des satis, moi, au lieu de chase la Katarina, comme merde. Bon, en fait, le truc, c'est qu'ils mettent tout le temps tout sur moi, donc c'est pas très rigolo à regarder, ni à jouer. Mais c'est bien pour la team si ça permet, voilà, à la team de faire des trucs. Mais c'est moins bien pour moi quoi. Après moi je me place mal donc c'est aussi ma faute. Putain le Jax, mon dieu. Par contre rester avec un HP c'est pas le truc le plus utile.
Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça comme dernier item. Peut-être j'aurais dû le faire plus tôt. Avec un petit peu de spell vamp. Ce sera pas de refus. Le problème c'est que je me fais one shot en fait. Peut-être j'aurais dû commencer par j'aurais dû commencer par ça. Comment ça s'appelle? La soif de sang. Le bleu de machin là. Parce que ça donne de l'armure maintenant. Enfin, ça donne de. Quand tu. Ça permet de mieux se régénérer. Je sais pas si c'était nécessaire. Je pense pas en vrai, mais on peut aller prendre ça. Si c'est pas trop protégé. J'ai réussi à l'avoir, je sais pas trop comment, mais j'ai réussi à l'avoir. J'avais. Je sais pas, j'ai réussi à lui mettre pas mal de dégâts, juste avec le EA et le headshot. Mais c'est un petit peu chiant qu'il ait réussi à me burst. Après, c'est Gragas aussi. Genre, il stuff comment? Ah, il est stuff AP quand même. Il a un petit peu d'armure, mais. Putain, mais lui, c'est un monstre. Hein. Ça devient débile, Jax, à certains niveaux de la partie. Enfin, débile. Quand je dis débile, c'est pas négatif. Hein. Ça devient trop fort, on va dire. Non, mais tue-le d'abord, hein. Tu peux le tuer. Allez là putain, mais le monstre! Wouh! Ok! Une partie gagnée entièrement grâce à moi, évidemment. Uniquement par le fait que j'ai très très bien joué. Pas du tout. Mais c'est assez cool, voilà. Bon, les parties de LoL sont un peu plus longues. C'est pas comme Airsoul où c'est assez simple. Et puis en plus, c'est un peu plus dynamique, donc c'est un peu plus dur pour moi de. Enfin, je suis moins habitué à voilà, forcément animer ou parler ou dire exactement ce que je dis, donc je parle probablement de manière un petit peu plus maladroite que vous pouvez avoir l'habitude sur Hearthstone. C'est un jeu très différent. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Bon, si vous avez. Oh, des clés. Il y a un nouveau système de clés aussi, c'est assez rigolo. En tout cas, voilà, si vous avez pas eu l'occasion de. Si vous avez jamais eu l'occasion de me voir sur LoL, bah peut-être que je ferai quelques petits streams ou quelques petits machins. Quelques petits streams ou quelques petites vidéos sur LoL. Vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Peut-être des game viewers avec vous ou quoi. Sinon, ce sera plutôt sur Overwatch. Mais ce sera toujours un side game, ce sera par rapport à Hearthstone. Donc moi, je jouerai principalement à Hearthstone et je jouerai un petit peu à d'autres jeux de temps en temps pour se changer les idées. Je pense que c'est important de se changer les idées un petit peu quand tu joues trop à un jeu, tu te lasses. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des bisous. Bon, c'était pas un niveau de ouf, mais c'était rigolo. C'était pour vous parler un petit peu, pour vous donner des nouvelles. Je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous plaira et que cette petite bah voilà, sera cool à regarder. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de non plus de les gros youtubeurs, les gros youtubeurs ou streamers d'Hearthstone de League of Legends qu'on salue font pas trop de vidéos sur des arames. Ils font surtout du compétitif. Ça peut être cool d'en voir un petit peu de temps en temps. Je vous fais des bisous en tout cas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ce que vous êtes en train de faire. Un bon courage. Et puis je vous retrouve demain pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui sur l'extension Un'Goro avec une à deux vidéos par jour. Ciao, ciao, les bros.